Bonjour mesdames et les bonnes et messieurs, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Je suis le leader des populaires du Congo. Je vais vous parler des Shih Tzu en quelques minutes à travers cette vidéo. Toutefois, je vais aussi vous faire montrer mon back-office. Alors, sans plus tarder, je vous avais déjà dit que Shih Tzu, c'est une crypto-monnaie qui a été lancée par la société sud-coréenne. Okay? Donc, cette crypto-monnaie on prendra en main le métaverse et le marché des NFT. Déjà, je vais vous résumer rapidement ici. Voilà tout ce que j'ai déjà gagné dans Shih Tzu, que j'ai déjà retiré. Voilà tout ce que j'ai déjà gagné retiré. Donc, dans ce projet, le projet encore dans les débuts, j'ai déjà retiré plus de 2 milliards de pièces déjà, que j'ai retiré en argent, bien sûr. Donc, la valeur, ça fait 1 700 dollars. Ensuite, ici, là, vous voyez, là, on a écrit Shih Tzu Price. Ça, c'est le prix actuel de Shih Tzu. Donc, ça ne fait que monter. Alors, ici, ça, c'est le montant que j'ai dépensé pour investir dans le projet, y compris l'ensemble de la valeur de staking vient tomber ici. Alors, là, ça, c'est l'argent qui est prêt à retirer. C'est-à-dire que ce que je gagne en pièces en fonction de mon investissement, y compris les commissions d'affiliation. Et enfin, ici, ça, c'est en quelque sorte le chiffre d'affaires que j'ai déjà réalisé dans mon équipe d'une façon générale. Et ici, ça, c'est le chiffre d'affaires de mon équipe directe. Alors, ici, ça, c'est le nombre de personnes que moi, personnellement, j'ai prospectées. Parce que moi, je suis un as dans la conservation du ballon. C'est-à-dire que quand je développe un business, je vais vers la clientèle, je communique. Je ne suis pas comme certaines personnes à cause de leur manque d'expérience dans un business. À cause de leur manque de savoir-faire, tout ce qui ça veut dire que non, moi, je n'aime pas le parrainage. Non, mon frère, tu ne sais pas communiquer. Point barre, c'est tout. Parrainage est égal à vendre. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Tu ramènes un client sur une plateforme, un client vient acheter un produit. Il a satisfaction. Et toi, on te paye parce qu'il y a un client que tu as ramené. Ce n'est que normal qu'on te paye. Et c'est ça que tu trouves que c'est arnaque, c'est Ponzi, c'est pyramidal. C'est. Comment on appelle ça? C'est quoi? Oui, c'est Ponzi. N'importe quoi, tu n'as rien compris. En France. Faisais un poulard, voilà, et te faire mal. Alors ici, vous allez voir que j'ai 71 personnes qui sont mes clients fidèles, donc mes clients actifs. Donc ces 71 personnes viennent de 405 personnes ici. Et donc dans les 71 personnes là, il y a des gens qui ont été ajoutés ici. Et donc, les 405 personnes, il y a 71 personnes qui viennent de ça. Et dans les 71 personnes là, c'est ceux qui ont formé ce nombre que vous voyez là. Donc, ça, c'est mon équipe d'une manière générale. Ici, c'est mon équipe directe. Et ici, ce sont les gens que j'ai prospectés. Ça veut dire que je suis un client, je suis un commercial. Je cherche de la clientèle, je prospecte en passant mon lien. Les gens vont s'inscrire, les gens vont comprendre le projet Shih Tzu et c'est à chacun de prendre ses responsabilités, c'est à chacun de prendre sa décision. Comme vous le savez, sur cette terre-là, il y a deux formes de personnes. Il y a des idiots et des intelligents. Des idiots, c'est ceux-là qui essayent de faire quelque chose, même si il y a un danger, et ils rentrent, ils essaient. C'est comme nous autres là. On essaie pour voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, un peu en bas ici, vous allez voir que ce sont les différents packs que j'ai achetés avec mon argent personnel. Voilà les différentes pièces que j'ai déjà pu avoir. Donc, au total ici, j'ai 726 millions de pièces Shih Tzu au total. Donc, si je faisais par exemple un achat de 100 dollars, je vais atteindre 1 milliard de pièces dans Shih Tzu. Donc, ça, ce sont des pièces qui sont en staking. Voilà. Et ici, vous êtes sans le savoir, l'entreprise vous fait payer chaque jour, voilà, en fonction du montant que vous avez dépensé. Par exemple, hier, nous étions le 24 mars, j'ai fait un achat de 100 dollars. Les 100 dollars que j'ai dépensés m'ont donné droit à 135 226 000 pièces de Shih Tzu. Et ensuite, l'entreprise a mis mes pièces en staking pendant une période de 9 mois, les 9 mois que vous voyez ici. Et l'entreprise me dit, en fonction des 100 dollars que tu as investis et en tenant compte de la période du staking, tu dois recevoir 400 dollars. Est-ce que tu comprends? Tu dois recevoir 400 dollars pendant toute la durée du staking. Donc, mes 100 dollars me rapportent 400 dollars. D'abord, dans les 400 dollars, j'ai d'abord mes 100 dollars que j'ai investis, plus les 300 dollars de bénéfices. Entre-temps, j'ai encore des pièces en staking. Donc, on gagne avec ou sans parrainage dans ce projet-là. Est-ce que tu comprends ça?
Maintenant, le système de gestion fonctionne comment? Regardez par exemple ici, ça c'est mon premier grade que j'ai atteint dans ce projet. Alors, le grade ici que j'atteins ici, c'est quoi? Supposons que si j'ai atteint ce grade-là aujourd'hui, là, l'entreprise va me donner 400 dollars. Mais d'où sortira les 400 dollars? Eh bien, l'entreprise viendra prendre les 400 dollars là et me donner sa tâche. Si par exemple que votre pack est expiré, par exemple le pack que vous voyez ici, là on a écrit là, ça ce sont des packs déjà utilisés, expirés, mais et que vous avez gagné votre prime et vous êtes entré dans le plan de carrière, tenez-vous bien, le jour que vous allez venir activer votre pack, l'entreprise doit prendre de l'argent et vous donner votre part. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Maintenant, si je descends un peu plus bas en ce qui concerne les retraits, je vais te montrer l'historique de mes retraits. C'est pour te dire que je suis dans ce projet-là, c'est pour gagner et non pour perdre. Voilà, je ne suis pas ici pour perdre, je suis ici pour gagner. Vous comprenez? Je viens avec mon argent, j'investis. Je développe le business, je partage l'opportunité parce que je suis un apporteur d'affaires. Je t'explique le business comme tel. C'est à toi de voir si tu dois te lancer ou pas. Si tu te lances, c'est bien. Si tu te lances pas, moi, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que tu as compris ça? D'accord. Je continue ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Voilà les dates de retrait. Le 3 mars, non, le 24 mars 2022, je viens de retirer 116 dollars. Et là, nous sommes le 24, hein, donc c'était juste hier, le jeudi. Le même 24 2022, j'ai retiré 287 dollars. Le 23 mars 2022, 41 dollars. Le 22 mars, 44 dollars. Le 21 mars, 48 dollars. Le 19 mars, 90 dollars. Le 17 mars, 31 dollars. Le 17 mars, 43 dollars. Le 16 mars, 57 dollars. Le 15 mars, 89 dollars. Le 11 mars, 71 dollars. Le 8 mars, 20 dollars. 20 dollars. Le 7 mars, 58 dollars. Le 6 mars, 38 dollars. Le 5 mars, 21 dollars. Le 5 mars encore, 24 dollars. Le 2 mars, 54 dollars. Le 2 mars encore, 29 dollars. Bien, là, je prends ici. Tout le mois de mars. Vous avez vu que chaque jour, pratiquement, je fais des retraits. Maintenant, en ce moment-là, entre toi et moi, qui est intelligent, qui est bête? Non, je te dis la vérité. Entre toi et moi, qui est intelligent, qui est bête? Hein? Depuis que toi, tu as refusé l'argent, je t'ai dit, mon frère, voilà une opportunité qui s'appelle Chinsu. Non, c'est arnaque, machin. Tu vois pas que je fais des retraits pratiquement chaque jour. Entre toi et moi, qui est bête? Je peux aller voir le boutiquier du coin, lui dire, bon, mon frère, prête-moi d'abord une marchandise, par exemple, d'une valeur de 10 000, parce que je sais que 2 jours, 3 jours après, je vais faire mon retrait de chez soi. Est-ce que tu as compris? C'est ça, être en fait intelligent. Le projet est là. Si tu veux savoir tout sur l'entreprise chez soi, c'est très simple. Voilà leur white paper. Tu cliques ici, tu télécharges le white paper de l'entreprise. Et tu as toutes les informations le plus possible. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu vois? Donc, quand on te parle d'un projet, il ne faut pas négliger le business. Il faut chercher à te lancer. J'ai laissé le lien en dessous de la vidéo pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce business-là. Maintenant, vous, quand on publie une information dans le groupe WhatsApp, tout ce que tu sais dire, c'est arnaque, c'est scam, c'est bien. Comme toi, tu dis souvent que non, ça va fermer, mais avant que ça ferme là, moi, je capte de l'argent, je gagne mon argent, je prends ma part, je me sers. Tu as compris ça? Hein? Quand vous attendez que ça puisse fermer pour venir faire mes dessins après la mort. Voilà pourquoi moi, quand je fais mes vidéos là, je vous dis, tu n'es pas obligé de te lancer dans Chinsu sous mon lien. Tu as compris, non? Voilà. Moi-même là, je sais investir de l'argent. Je t'ai montré ici les différentes pièces que j'ai achetées. Dans ce compte, j'ai 2 comptes dans Chinsu, hein? J'ai 2 comptes. Voilà, j'ai 2 comptes dans Chinsu. Pour que je te le dise, pour que tu comprennes ça. Voilà les nombres de pièces que j'ai achetées moi-même. Voilà. J'ai déjà 8 achats que j'ai effectués avec mon argent personnel. Voilà les nombres de pièces que j'ai pu avoir ici. Dans ce compte-là, mon objectif, c'est d'avoir 1 milliard de pièces. Ça veut dire qu'avec toi ou sans toi, moi, je m'en fous, je fonce. Voilà.
Quand je fais des vidéos, je développe un business, je donne le lien d'affiliation, je dis à tout le monde, allez-y faire vos recherches. Une fois que tu as fini de faire tes recherches, et tu crois, tu penses que bon, moi, je suis prêt à me lancer. Personne t'a influencé. Le lien est là, tu t'inscris et tu viens gagner avec moi. On va gagner ensemble. Le lien de parrainage. Pour ceux qui disent que non, toi, tu bouffes derrière les dos des gens. Toi, tu ne comprends rien. Tu es bête au lieu de dire ça. Voilà, le lien de parrainage est là. Tout le monde a un lien de parrainage. Moi, je paye de l'argent sur Facebook. J'ai ma chaîne YouTube, je communique. Je suis communicateur, j'adore communiquer parce que je comprends le business. Moi, quand je vais dans un business, ce n'est pas pour perdre, je viens pour gagner. Bien que je perds souvent aussi, mais je gagne aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le projet ici. Je vous montre la date à laquelle j'ai commencé. Tout est clair ici. Ce projet-là, je l'ai commencé le 1er. C'est là, voilà la date est là. Le 1er février 2022. À 16h43, heure du Congo-Brazzaville, c'est la date à laquelle j'ai commencé le projet Jésus. C'est encore récent, un mois et demi. Un mois et demi. Le 1er avril, ça sera deux mois dans le projet, mais je suis déjà dans le plan de carrière de l'entreprise. Vous voyez, chaque mois ici, l'entreprise va, avec ce grade-là, chaque mois, l'entreprise va me payer 200 dollars. Je dis chaque mois, l'entreprise va me payer 200 dollars pendant une période de 8 mois. Tu vois, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que ici, j'ai un pack qui est encore actif. Par exemple, mon pack de 400 dollars. Quand le mois en question arrive, la date de paiement arrive, automatiquement, l'entreprise enlève les 200 dollars dedans. Sans même qu'il y ait parrainage, il n'y a rien. C'est un contrat qui est comme ça avec l'entreprise. Parce que l'entreprise te paye en fonction de ton argent qui est là-dedans. Il prend et te donne rapidement. Là, tu n'as pas parrainé, tu n'as rien fait, il te donne sa cash. Parce que c'est un contrat que vous avez signé avec l'entreprise. Et ça, c'est réservé pour des gens qui développent le business. Les gens qui savent que dans Chisou, je suis arrivé ici, ce n'est pas pour blaguer. Voilà pourquoi moi, je ne passe pas mon temps avec des petites personnes qui n'ont pas de conscience dans leur tête. C'est-à-dire que les gens qui passent tout leur temps en train de critiquer les opportunités. Et je comprends. Quand tu ne connais rien de l'ICO, comment l'ICO fonctionne, tu vois, alors que tu oublies une chose, que quand une crypto-monnaie, vous avez vos fesses là, qui est là. Quand une crypto-monnaie est lancée en ICO, c'est le moment où jamais de te taper de l'argent. Regardez, je vais vous prendre un exemple simple. Regardez la valeur actuelle des Shinsu. Regardez la valeur actuelle des Shinsu. Tu vois, non? Là, il y a des gens, imaginez-vous, c'est parce que les pièces que vous voyez là, j'ai déjà fait des retraits ici. Tout ça, c'est déjà retiré. Mais j'ai créé un deuxième compte où je ne veux pas toucher tout ce que je gagne dans ce compte-là. C'est comme un compte épargne. Imaginez-vous, quand la pièce ici, quand un chiffre se modifie ici, vous allez voir que là aussi, la valeur se modifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste pendant le staking, si tu es intelligent, pendant que tes pièces sont en staking, c'est que toi, tu gagnes en fonction de ton investissement-là. Ça monte ici. Toi, tu ne retires pas. Tu joues tout simplement avec la valeur de la crypto-monnaie. Mais un jour, la valeur là, les zéros là peuvent se brûler et ton argent ici prend de la valeur. C'est là que vous allez voir que, retenez ce que je vous dis, hein, parce que mon fouquet, je ne viens pas. C'est là que vous allez voir qu'il y a des gens qui vont faire des retraits de 200 000, 300 000 dollars dans Shinsu d'ici 8 mois, sans même que le staking puisse finir. Parce que nous, on a compris ça. Et pour ce faire, on met notre argent en jeu. Voilà. Je ne vous demande pas d'aller prendre votre argent. Comprenez, non? Vous ne venez pas laisser ça là pour moi. Voilà. Bon des salons. Vous qui passez tout le temps en train d'insulter les business en ligne. Ouais, oh non, c'est arnaque. Surtout quand vous entendez parler de parrainage. Oh, c'est arnaque. Vous ne savez pas que tout sur cette terre-là, c'est le parrainage. Même les États qui vendent du pétrole. Voilà. Les sociétés de négociation dont vous entendez parler là prennent leur pourcentage. Tu passes par mon intermédiaire pour que je puisse aller vendre ton pétrole quelque part. Voilà, et tu dois me payer les 10%. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, le monde fonctionne comme ça. Et celui qui était le tout premier à mettre en place la notion du parrainage client, donc l'affiliation, là, c'est Jeff Bezos, le promoteur, le fondateur de Amazon. Et tu commences à me voir. Ce projet que tu vois, Chinsu, là, c'est un projet qui est lourd. Si tu ne sais pas saisir, si tu ne sais pas lire à travers les écrits, ça, c'est ton problème. Et tu commences à... J'ai laissé le lien au-dessus de la vidéo. Il y a aussi le groupe Telegram. Pourquoi j'ai créé le groupe Telegram? J'ai créé le groupe Telegram pour un seul but. Que tous ceux qui rentrent dans mon équipe
sont dans le groupe Telegram. Comme ça, moi-même, je les coach là-dedans. Ce que je fais, eux, ils font ça. Il n'y aura aucune personne qui viendra dire que non, je n'ai pas gagné dans Jésus. Celui qui va lui dire, oh non, le bébé m'a bouffé des LED, je suis là, celui-là. J'avais dit qu'il n'est pas dans mon groupe Telegram. Parce que dans le groupe Telegram, notre objectif, c'est que tout le monde gagne ici. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons montré la stratégie simple. On crée deux comptes. Ton compte secondaire, c'est là où tu dois faire en mode épargne. Et ton compte, comment on appelle ça? Ton premier compte, c'est là où tu pourras développer des retraites chaque jour. Comme dans ce compte-là, je fais les retraites. Mais imaginez-vous si j'avais une somme comme ça dans mon compte secondaire, je ne peux pas retirer, ça va rester là. Je vais jouer tout simplement avec la valeur, c'est pour voir si ça augmente mon argent, si ça augmente, c'est de ça qu'il s'agit. Mais comme nous sommes encore dans les débuts, ça veut dire qu'on va foncer dans ce projet. Est-ce que tu as compris ça? Donc, arrête de voir le diable partout. Et je n'ai pas demandé de venir investir. Parce que ne peut qu'investir dans la crypto-monnaie chinoise, un visionnaire. Les gens qui aiment prendre le risque. Les gens qui se disent que moi, quand je viens investir sur une plateforme, si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, je n'ai pas accusé quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous, les pleurnichards là, hein? Oubliez ça. Même si vous voyez mes retraites, je vous ai montré que durant tout le mois de mars, là, j'en fais pour faire des retraites. Et des grosses sommes, hein? Voilà. $50, $90, $287, $116. Mais quand tu multiplies ça en français, ça fait quoi? Ça fait money, ça fait l'argent, mais ça va l'église de ton ensemble. Je vais dire que le Congo verra sa vie. Bien, champion, je vais te laisser à travers cette vidéo. Donc, tu as vu, je t'ai montré, j'ai fait un peu le tour de mon back office, je t'ai montré le retrait. Une fois de plus, je vais encore te montrer ici les retraits que j'ai réalisés durant mon début dans ce projet-là, les retraits, l'historique des retraits. Toi-même, regarde les dettes. Voilà, les montants sont là. Comme tu es en train de voir, ici, ça, c'est là où on écrit amount. Ça, c'est la partie des montants. Voilà, toi-même, regarde les montants. Regarde toi-même les montants. Et regarde les dates. Toi-même, regarde les dates. Donc, pratiquement, le leader fait des retraits dans ce business-là. Donc, toi qui insultes que c'est arnaque, c'est qu'on dit. Toi qui attends que ça va fermer là, moi, je prends ma part. Voilà, jusqu'à présent, toi, tu ne comprends pas ce projet-là. C'est un projet qui est basé sur le métaverse et le NFT. Cette crypto-monnaie-là, c'est pour les Sud-Coréens. Je dis Sud-Coréens. Tu as compris ça, non? Il faut être intelligent dans la vie. Bon, je te laisse dans ton ignorance. Entre-temps, j'ai laissé le lien au-dessus de la vidéo. Si tu veux te lancer dans ce projet-là, tu n'as qu'à te lancer. Si tu ne veux pas, tu le laisses tomber. Personne ne va te forcer. Moi, quand je prends mon argent-là, je fais mes retraites. Est-ce que je partage ça avec toi? Non. Voilà. Ça va aller la suite au prochain numéro. Très bien. Elsa, je suis là. Ouais.